avec nous dans l'émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. N'oubliez pas que les défis, vous pouvez les relever car Dieu est toujours présent à vos côtés. Ce matin, pour vous encourager, une belle expérience avec notre invité du jour. Nous recevons Elisabeth avec un Z. Bonjour Véronique, merci pour l'invitation. Alors, nous te remercions justement d'avoir accepté cette invitation. Et je vous invite à rester à l'écoute. Vous qui avez encore le cœur vacillant, qui recherchez peut-être la bonne personne, Elisabeth sera là aujourd'hui pour vous proposer une belle expérience. Parce que de Elisabeth intrépide, elle est passée à une femme comblée, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Alors, petite fille espiègle, un peu garçon manqué à l'époque. Oui, qui aimait grimper aux arbres, qui aimait faire des choses, mais vraiment, jusqu'à maintenant, j'y pense, je me dis, mais vraiment, tu as fait des bêtises. Donc, mais en même temps, une personne, une enfant solitaire aussi, j'avais mes moments, j'aime rire, mais j'avais mes moments où j'aimais rester seule. Donc, souvent, on me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je disais non, rien, c'est que j'avais envie d'être seule. Au calme. Au calme, avec un livre, par exemple. Ça peut se comprendre, après avoir dépensé autant d'énergie. Allez, on se monter sur des arbres pour apprendre des leçons, lire, c'était ça mon truc. Voilà. Très bien. Alors, à la maison, justement, qu'est-ce qui était important? Quelles étaient les valeurs qu'on aimait à transmettre? Ce qui était fondamental? Je sais que beaucoup de parents à l'époque disaient ça. On ne peut pas passer dessus la politesse, par exemple. Toujours. Et chez vous, c'était comment? Ah oui, c'était cela. Ma mère, elle aimait les personnes honnêtes. Elle disait tout le temps que, par exemple, elle n'aimait pas le mensonge. Elle n'aimait vraiment pas le mensonge, les personnes honnêtes. Et puis, en tant que fille, elle nous apprenait à entretenir une maison. Il fallait qu'on sache faire tout, la couture, tout ce qu'il fallait qu'une femme sache faire. Et puis, elle avait souvent tendance à dire chaque chose à sa place, chaque place à une chose. Donc, je l'inculque aussi maintenant à mes enfants. Et il fallait apprécier ce qu'on a, ne pas envier ce que les autres avaient. Il fallait apprécier, quel que soit ce qu'on avait, il fallait savoir apprécier, donner de la valeur à ce que nous avions. Ce sont là, effectivement, de très belles valeurs, l'honnêteté, être heureux avec ce que nous possédons. Tout à fait. Mais ça m'interpelle toujours, cette différence entre justement l'éducation qu'on donne aux filles ou aux garçons. C'était très marqué chez vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je faisais souvent les choses de garçon aussi. Mais c'est vrai que tout à fait, du côté de ma famille, c'était comme cela, effectivement. Et qu'est-ce que tu as choisi de garder ou de reporter quand toi-même, tu as eu tes enfants? Qu'est-ce que j'ai choisi de garder, de reporter? En fin de compte, je crois que j'ai donné l'éducation à mes enfants comme ma mère m'a donné. Donc, c'était ça. Mais par contre, il y a une chose que, malheureusement, les personnes d'avant n'échangeaient pas avec leurs enfants, ne disaient pas « je t'aime », n'avaient pas de gestes d'affection, des choses comme ça. Malheureusement, peut-être que dans leur enfance, ils n'ont pas reçu. Mais par contre, j'avais toujours dit, quand j'aurai des enfants, je leur dirai tout le temps « je t'aime ». Je leur ferai comprendre que je suis une oreille attentive, que je suis là pour les écouter, pour les conseiller. Donc, c'était ça, ce que je n'avais pas, que j'ai dit qu'il fallait que je donne. Si un jour j'ai une famille, je donnerai ça à mes enfants. L'amour, l'affection, l'écoute et la communication, surtout la communication. C'est très important. Très, très important. Pour moi, très important dans tous les domaines. Alors, cette communication, elle a été intense avec Dieu. Alors, premier petit épisode, et ça, vraiment, je te laisse vraiment dérouler cette histoire. Moi, je pense qu'elle va fortifier beaucoup de femmes en particulier. Tu aimes lire, c'est vrai, et tu découvres, à la période où on fait sa dernière communion, confirmation. Oui, tout à fait. Une Bible illustrée, et elle t'attire, et tu nous diras ce que tu as découvert dans cette Bible. Alors, j'avais mon grand frère, et il avait acheté une superbe Bible, avec de belles images de couleurs. Et j'étais le rat de la bibliothèque, j'aimais lire, comme j'ai dit, je n'avais plus rien dans la bibliothèque à lire. Et j'ai été attirée par cette Bible. Mais quand je l'ai ouverte, la première chose que je vois, c'est « Tu n'adoreras pas des images taillées ». Alors j'ai lu, j'étais un petit peu perplexe, et puis j'ai dit à ma mère,
c'est ce qu'on fait. Et je lui ai dit, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. Elle a rétorqué quelque chose ou non, pas du tout, mm-hmm. parce que elle a respecté mon choix. Mm-hmm. Elle nous a jamais obligés. Mm-hmm. Donc, je lui ai dit, ce sera comme ça, mais je n'ai pas cherché à savoir la vérité. Je me suis contentée de qu'on ne doit pas adorer des images taillées. Et puis après cela, je pense une année après, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai vu deux mains percées. Je ne pourrais pas détailler l'image de cette personne, mais j'ai vu que cette personne était illuminée. Mais c'était les deux mains percées. Et je me suis dit, mais ça fait penser à l'histoire dans la Bible de Jésus. Mm-hmm. Et puis, quand j'ai dit ça à ma mère, elle disait, ah ouais, c'est parce que Jésus viendra te chercher, tout cela. Mais et puis après, j'ai oublié, en étant adulte, j'ai oublié. Mais mm-hmm. Dieu me l'a rappelé mm-hmm. à mes 27 ans. Mm-hmm. Le même rêve, la même chose. Ouais. Voilà. Alors, on grandit, oui. on fait des rencontres. Oui, tout à fait. Donc, j'étais jeune fille. J'ai voulu montrer à ma mère que je sais me débrouiller. Donc, à l'âge de 22 ans, j'ai dit, maman, je vais prendre mon appartement. Elle m'a dit, ben d'accord, pas de souci. Donc, j'ai pris mon appartement. Je travaillais. Je venais de trouver un travail. Mes amis m'ont dit, c'est un risque. Mais je l'ai fait. Et je ne regrette pas. Et puis, durant la première année, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme. Donc, et après, nous avons échangé. Et il se trouve que c'était un jeune homme qui avait été élevé dans la pratique religieuse. Mm-hmm. Donc, et nous avons, mais en même temps, donc sa mère m'a appris les commandements, m'a appris le sabbat. Mm-hmm. C'était un ancien, et j'étais un petit peu attirée. Elle m'a invitée dans différents moments d'évangélisation. Mm-hmm. J'en ai suivi pas mal pendant ces temps. Donc, à un moment, j'ai vécu avec cette personne. Mais après, nous sommes séparés. Mais là, j'ai dit au Seigneur, puisqu'en même temps, j'étudiais la Bible, j'ai dit au Seigneur, mais voilà, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi. On dit que tu es là, tu secoues, tu fortifies. Donc, j'ai besoin de toi. Mm-hmm. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus personne dans ma vie. Mais il faut que ce soit toi qui choisisses. Mm-hmm. Parce qu'on m'a dit que tu peux tout, tu es tout puissant. Donc, j'ai sorti toutes sortes de versets. Je ne te donne pas des épreuves au-delà de tes forces, puisque c'était quand même dur. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu fermes la barrière et celui que tu as choisi, c'est lui que tu celui me montreras. Voilà. Qui sera. Mais Elisabeth, j'ai une petite question. Je voudrais faire un petit retour en arrière. Tu nous as parlé justement de ta découverte dans cette Bible, puis de ce rêve que tu as. Est-ce que pendant tous les moments où tu as été conduite par différentes personnes, sur différents moments où tu as étudié la Bible, est-ce que ce texte et même ce rêve te sont revenus à l'esprit? Justement, le rêve des deux mains m'est revenu vers les 27 ans. Mm-hmm. Vers les 27 ans. Ça m'a interpellée. Mm-hmm. Mais, et justement, cet homme avec qui je vivais, je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai fait ce rêve, j'avais dans les 15 ans, mm-hmm. 15-16 ans. Et il m'a dit une chose importante, eh bien, c'est que Dieu veut te parler. Mm-hmm. Et là, est-ce que tu as été plus attentive? À quel moment, justement, tu t'es dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose de plus? Malgré cela, je n'ai pas cherché. Pas tout de suite. Non. C'est vraiment quand j'ai connu sa mère et elle m'a donné un livre qui s'appelle « Le pardon, une puissance qui libère ». Donc, de mon passé, j'avais une personne que je n'arrivais pas à pardonner et ça a été l'élément déclencheur. Okay. Donc, et c'est là que je me suis plus intéressée à savoir vraiment qui est ce Dieu dont elle me parle souvent. Mm-hmm. Et puis, ça m'a... En tout cas, ça a changé ma vie, ce livre. Ça, sincèrement, ça a été l'élément déclencheur. Mm-hmm. J'ai revu ma vie, comment je faisais, ce que je pensais. Je me suis dit non, eh ben, il faut que tu connaisses ce Dieu-là encore plus. Mm-hmm. Et c'est là que
j'ai continué à aller dans les moments d'évangélisation. Et puis, un beau jour, eh bien, je me suis mise à aller à l'église tous les sabbats. Mm-hmm. Je me suis mise à pratiquer le sabbat. Mm-hmm. Je faisais vite de ranger mon appartement pour, avant le coucher du soleil, parce que je ne voulais pas. Je me suis mise à faire cela avant. Et puis après, il y avait le pardon que je n'arrivais pas encore à faire. Et je me suis rappelée de la prière, le Notre Père qui est aux cieux. Je n'ai plus fait cette prière pendant un an, parce que je me sentais indigne de faire cette prière. Et j'avais dit au Seigneur, le jour où j'arriverai à pardonner à cette personne, c'est ce jour-là que je recommencerai. Mm-hmm. Et Dieu a permis que je puisse, 30 ans après, pardonner à cette personne. Et Dieu a tout s'est ouvert. Et un frère m'avait dit, le jour où tu pardonneras, c'est ce jour-là que tu pourras te marier. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc voilà, je vivais avec cet homme, et puis il y a la séparation, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. Et puis, j'ai dit, il faut que tu fasses confiance à Dieu, puisque 5 ans avec quelqu'un, du jour au lendemain, ça ne parle pas. Oui, les sentiments sont là. Voilà, les sentiments. On ne peut pas les ignorer. Tout à fait. J'ai dit, Seigneur, écoute, il faut que tu enlèves tout cela, et le jour où tu permettras, tu me choisiras cette personne. Exactement 7 ans après, eh bien, cette personne, c'était mon amie. Alors, tu dis bien. Avec qui je partage. Tu dis bien 7 ans après. Ça peut paraître long, mais dans l'attente, qu'est-ce que tu faisais? Alors, dans l'attente, j'avais beaucoup de. À l'église, je travaillais avec les enfants. Mm-hmm. Donc, j'étudiais. Mm. J'étudiais la Bible en même temps. Et le fait de travailler avec les enfants à l'école du sabbat, ça me permettait de plus être à l'étude de la Bible pour pouvoir en parler aux enfants. Et puis, chez moi, j'avais beaucoup d'activités, parce que souvent on me disait, mais Isabelle, comment tu fais? Tu vis seule? J'allais à la plage seule, j'allais à la forêt seule, mais je me mettais toujours à côté d'une famille au cas où. J'allais à la plage seule, mais j'avais mes activités de jardinage. Comme je suis très manuelle, je faisais des activités manuelles. Et puis, je ne m'ennuyais pas. Mm-hmm. Je ne m'ennuyais pas en tant que célibataire. C'est une vie que je ne regrette pas, parce que Dieu a permis que je puisse faire beaucoup d'expériences avec lui, apprendre à mieux le connaître. Et pendant 7 ans, il a pris soin de moi. Je me mettais à chanter en disant que les voisins, peut-être en entendant ma voix, mon chant. Et Dieu a permis qu'effectivement, ce que je pensais, c'est arrivé. Mm-hmm. J'avais un voisin qui avait ses parents là. Et le père était gravement malade. Et ma sœur infirmière, vient un matin et me dit, tu sais, les voisins qui sont là, ils sont heureux de t'entendre. Et moi, je pensais que je sentais comme une casserole, mais j'avais dit, Seigneur, permets qu'ils entendent que j'ai une voix mélodieuse. C'est ça. Et puis, effectivement, cette dame, après, je suis allée la voir, et elle m'a dit, c'était une évangélique, et elle m'a dit, ça m'a fait du bien. Mm-hmm. Parce que j'aimais souvent chanter, pour me faire du bien, j'aimais souvent chanter « Ne crains rien, je t'aime. Okay. » Donc, je chantais souvent ces chants qui fortifient, qui redonnent du courage, mm-hmm. qui nous redressent. Mm-hmm. Quand on a le dos un peu courbé, on dit non. Donc, voilà. Donc, c'était ça, l'Élisabeth célibataire. Voilà, c'était ça. Bien. Alors, après l'Élisabeth célibataire, on va voir comment la rencontre s'est passée, comment Dieu a toujours pris soin de faire les choses correctement. Donc, juste une courte pause et nous reviendrons avec Élisabeth Raymond, notre invitée du jour. Nous revenons avec notre invitée, Élisabeth Raymond. Oui. Alors, de l'Élisabeth célibataire, on passe à la Élisabeth qui va faire une belle rencontre parce qu'elle a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Et une belle rencontre qui a donné de beaux enfants par la suite. Donc, à toi la parole. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Vous êtes comblés. Voilà. 15 et 17 ans. Mm-hmm. Donc, effectivement. Et cet homme que Dieu avait placé à côté de moi, mais que je ne savais pas que ce serait lui, mon futur mari. Donc,
cet homme m'a accompagnée, mais vraiment, là où beaucoup d'hommes abandonnent leur épouse, il m'a accompagnée. Puisqu'effectivement, 4 ans après, donc mes enfants avaient 4 ans et 2 ans, donc on a découvert que j'avais le cancer du sein. Donc là, j'ai dit, Seigneur, d'accord. Et quand donc je l'ai appris, j'ai dit, Seigneur, écoute, je vais. Le médecin m'a appelé, j'ai eu mes résultats, il m'a confirmé. J'ai dit, c'était un mercredi soir, il y avait réunion. J'ai dit, Seigneur, écoute, tu sais quoi? Je ferai comme Job. Mm. C'est mon livre préféré. Je ferai comme Job. Seigneur, tu vas m'accompagner jusqu'au bout. Je ferai avec. Mais tout ce que je te demande juste une chose, de mettre la paix dans mon cœur. Mm. Et quand j'arrive, j'entre dans l'église. Au moment où je m'asseye, j'entends l'animatrice de chant qui dit, si vous êtes comme Job, vous traversez des moments difficiles, sachez que l'Éternel vous accompagnera jusqu'au bout. Alors je peux te dire, je peux t'assurer qu'effectivement, la paix que j'avais demandée, je t'assure, j'en ai... Souvent, on me dit, est-ce que tu n'as pas dit pourquoi moi? Je n'ai pas dit ça, parce que pourquoi dire pourquoi moi? Et puis c'est bon pour quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai pas dit. Mais je t'assure que la paix que Dieu a mis dans mon cœur, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Donc, nous avons passé ces moments qui étaient difficiles pour mon corps, je dirais, mais pour mon moral, Dieu a pris soin de mon moral. Okay, okay. Et donc, j'ai fait tous les soins. J'avais mes enfants petits, donc j'essayais de faire bonne figure quand ils arrivaient, même si j'avais des douleurs, tout cela. J'essayais de faire bonne figure. Après, quand j'y repense, je prenais des injections, des piqûres, mais j'avais peur des piqûres. L'infirmière me disait, mon fils disait, maman, ça fait mal. Je dis, non, c'est comme une petite piqûre de moustique. Moustique, c'est ça. Donc, donc, j'étudiais la Bible, je continuais, puis je disais, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et puis, une sœur m'avait donné un verset qui, jusque-là, je l'ai gardé. Ce verset t'accompagne. Ouais. Ah oui, dans toute ma vie. Ésaïe 41, verset 10 à 11, 13, qui dit, « Ne crains rien, ne promène pas des regards aux inquiets, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie, ne m'amène-toi triomphante. » Et cela, chaque fois que j'ai des épreuves, je dis, ne crains rien, Elisabeth. Dieu est avec toi. Dieu va te conduire. Et puis, on passe, il y a l'éducation des enfants, il y a des choses qui peuvent attirer. Donc, je me dis que, jusqu'à maintenant, je dis, si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je ne sais pas ce que je ferais parce que, alors qu'il est... Je ne peux pas vivre sans mon papa. Ça, c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est pas possible. Et toutes mes expériences m'ont montré que je devais continuer à lui faire confiance. Et jusqu'à maintenant, comme on dit, les choses sont difficiles pour tout le monde. Mais par contre, là où je dis que c'est facile, tu fais confiance à Dieu et tu vois les choses autrement. Voilà. Ouais. Alors, je suis bien en train de réaliser, de cette découverte du texte. À 15 ans, oui. De prendre déjà une position sans avoir une idée précise en tête, ben, j'irai de tel côté, de tel côté. Non. Ça, voilà. On voit vraiment un Dieu qui te conduit vraiment à chaque étape. Oui, tout à fait. Et même dans les moments qu'on pourrait penser difficiles, sombres, eh bien, tu en as fait une force parce que tu as toujours fait confiance à Dieu. Oui, je t'assure que cette expérience... j'avais demandé au Seigneur de m'aider à me rapprocher plus près de lui. Et bien, cette expérience m'a rapprochée plus près de lui. C'est une expérience que je dis que je ne regrette pas. Je ne regrette pas que Dieu, pour faire l'Élisabeth qu'il a fait d'aujourd'hui, que j'ai dû passer par ce chemin. Une amie disait, Dieu écrit droit par des chemins sinueux. Véronique, quand je regarde ma vie de maintenant, et que je regarde par où je suis passée, je comprends mieux ce qu'elle voulait dire. Parce que Dieu arrive à faire avec nous ce qu'il souhaite faire avec nous.
Et simplement, si on l'écoute, on lui fait confiance. Parce que des fois, on hésite, on ne voit pas. Mais moi, je dis, ne pense pas au visible, pense à l'invisible. Mm-hmm. Si Dieu t'a dit cela, c'est cela. Il a plusieurs façons de répondre. Oui, non, attends. Moi, je dirais, tant que je n'ai pas eu de réponse, que ce soit oui, non ou attends, je continue. Mm-hmm. Et puis, je dis, Seigneur, de toute manière, c'est toi qui diriges ma vie. Mm-hmm. Alors, et par mes expériences, Dieu l'a dirigé. Mon mariage, mes enfants, ma maladie. Dieu continue à diriger toujours. Alors maintenant, c'est vrai que tu as dit, tu as fait l'analyse, hein, quand tu nous as bien montré que, alors dis où je t'aime, dis aux enfants qu'on est là pour les écouter. Tu t'es attachée à le faire parce que dans ton enfance, tu penses que ça t'a manqué en tout cas. Oui. Et cette expérience, tu nous dis que les enfants étaient jeunes. Comment tu transmets maintenant cette expérience-là pour que eux, leur foi soit fortifiée et qu'ils puissent justement comprendre que faire confiance à Dieu, c'est essentiel. Comment tu leur as transmis cette petite histoire? Est-ce qu'ils se rappelaient quand même? Parce que les enfants sont quand même sensibles. Ils ne se sont pas rappelés, mais quand ils ont eu... mon fils avait 8 ans. Je disais que si un jour il me demande le cancer, qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. Comment je vais lui répondre? Et effectivement, il m'a posé la question, mais j'avais demandé à Dieu de me préparer le jour où il me posera cette question. Parce que pourquoi il m'avait posé la question? Il m'a dit, maman, j'ai entendu une personne décédée, j'entends c'est le cancer, j'entends Tati, j'entends que c'est le cancer. Donc, tout d'un coup, il y avait des décès autour et chaque fois, il entendait les personnes adultes dans l'église parler le cancer. Mm-hmm. Donc, il m'a demandé ce que c'est. Et là, je dis, c'est le moment de lui dire que je suis passée par là et ce que c'est. Donc, je lui ai dit, malheureusement, c'est une maladie que l'on a. Elle arrive sans prévenir. Mais malheureusement, je lui ai dit avec les mots qu'il fallait, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont plongés dans le long sommeil. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui sont guéris. Il y en a beaucoup qui... Mais et je lui ai dit, sache que maman est passée par là. Et je lui ai raconté, je lui ai dit que c'était le cancer du sein. Je lui ai dit que j'ai subi la mastectomie. Il savait parce qu'il faut dire que quand j'ai été opérée, il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai habitué mes enfants à me regarder une semaine après avec un sein. Ouais. Ils ont grandi en voyant maman avec un sein. Mais ils n'avaient pas encore compris. Je leur ai dit, mais il faut savoir une chose, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit, qui le guérit. C'est difficile à accepter, mais c'est, comme je leur dis, Dieu sait toutes choses. Et puis, l'éducation que je leur ai donnée, c'est simplement à faire confiance à Dieu. Jusqu'à maintenant, tous les matins, tous les soirs, je leur dis que je les aime avant de dormir, avant de partir à l'école. Je les aime. Ils dorment, je les aime. Ils se réveillent, maman vous aime. Et je leur dis que quoi qu'il arrivera dans votre vie, même si vous ne comprenez pas, même si vous voyez que c'est dur, rappelez-vous que votre Créateur est là. Il est à côté de vous, vous ne le voyez pas, mais faites-lui confiance. Ce sera dur, mais il faut leur faire confiance. Et les meilleurs témoignages que je peux leur donner, à part la Bible, ce sont mes propres témoignages. Tout à fait. Donc, chaque jour, chaque soir, chaque semaine, mes enfants entendent des témoignages, des expériences que j'ai vécues. Et tu en as eu de belles. Ah oui, j'en ai tellement. Donc, Dieu, je remercie Dieu pour toutes ces expériences qu'il m'a données, parce que ça me permet d'en parler à mes enfants et puis autour de moi aussi, puisqu'il y a des personnes autour de moi qui ne sont pas dans la même communauté religieuse avec qui j'échange, avec qui je discute. C'est pourquoi je dis, Seigneur, tu n'as pas permis que je sois vivante toujours pour rien. Et je lui avais dit, tu as permis maintenant, je ne m'appartiens plus. Je ne me suis jamais appartenue, mais on ne savait pas. J'ai dit, je t'appartiens, donc là où je dois être, tu me mettras. Là où je dois parler, tu permettras. Enlève toute honte, toute timidité et permets que je puisse parler de toi afin que des âmes soient sauvées. Parce que, Véronique, je me dis chaque fois,
que je me réveille. Si Dieu a permis que je sois là toujours, ce n'est pas pour faire la belle, je dirais. Oui, c'est ça. Mais pour parler pour de lui, être vraiment pour le témoigner pour lui et pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Il est merveilleux. C'est vrai que les expériences peuvent être dures, mais par contre, la récompense dans l'éternité sera meilleure. Ça, ce sont de belles paroles pour terminer. Et j'espère que cette expérience, ce qu'Elisabeth nous a confié ce matin, vous permettra justement de ne pas lâcher la main de ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est toujours présent. Omniprésent dans ma vie. Et même si le temps peut nous sembler long, il est là. Soyons patients, faisons confiance en Dieu, développons cette confiance, que cette expérience puisse vous servir afin de rester ancré dans ce Dieu d'amour jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Parce que c'est là où la récompense sera plus belle. Ah oui, elle sera vraiment belle. Dans l'éternité. Il faut tenir jusqu'au bout, comme tu dis, dans l'éternité, parce que nous servons un Dieu merveilleux. Il ne faut pas que nos années sur cette terre soient des années vaines. Il faut que ce soit des années qui nous permettent de nous rapprocher plus près de Dieu et d'occuper la place que notre frère est allé préparer pour nous. Je dis amen à ces belles paroles et vous invite à revenir avec nous prochainement avec une nouvelle invitée. Nous remercions encore Elisabeth pour merci sa présence. Merci à toi, Véronique. Et nous vous disons à très bientôt dans Femmes vertueuses, femmes de valeur. À bientôt.